Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Oui, cela est envisagé comme une malédiction. Si l'on bénit son prochain à haute voix et du grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Proverbe, chapitre 27, frères et sœurs, verset 14. C'est avec parole, ça y est, que nous saluons aujourd'hui, hein, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, quel que soit côtoyé, recevez la grâce et la paix de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, qui permettent que matin, nous réveiller pour un nouveau jour, pour une nouvelle semaine. Nous voyons, bon Dieu, gloire, nous dit bon Dieu, merci pour grâce que le fait nous. Et vendredi soir, nous t'es ensemble pour premier cri minuit. Et vendredi, cap vini là encore, nous sommes ensemble pour deuxième cri cap vini là. Et si le Seigneur t'a d'avenir, frères et sœurs, nous avons gagné ces 7 vendredis en prière. Donc, vendredi passé à la week-end, nous t'es ensemble pour premier cri nous. Et nous dit bon Dieu merci pour chaque monde qui t'est monté sur ligne de prière et chaque monde qui a partagé lui pour que plus monde capable béni. Oui, c'est important, amis auditeurs de la prière du matin, quel que soit côtoyé, toujours bah tête ou un petit temps pour la prière, pour chercher bon Dieu. C'est ça qui trésor que rouille pas qu'apprend. C'est ça y est dans bon Dieu. C'est ça faire la caille bon Dieu. C'est ça réaliser la caille bon Dieu. Oui. Nous-mêmes qui cherchons bon Dieu, nous-mêmes qui servons bon Dieu pendant l'existence, nous, ces trésors inestimables à nous gagner. Gloire à Dieu. Proverbe, chapitre 27, verset 14. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Frères et sœurs, Seigneur, fais-nous grâce ce matin. Parole, ça y est, que nous joignons dans Proverbe, chapitre 27, verset 14. Nous partageons avec vous-même, cap coûter quel que soit côtoyé, pour les amis qui avec nous pour la première fois, non pas moins ses serviteurs, frère Bigot Luxonnaire, pasteur de l'Église de Dieu sanctifié en Haïti. Le Seigneur fait nous grâce, lui permet que nous ensemble pour la prière du matin, quel que soit côtoyé, et ou même cap suivre nous, invitons l'autre ami matin pour monter sous ligne avec nous pour nous faire seul. Pour nous aller prier le Seigneur ensemble. Matin, dans Proverbe, chapitre 27, là, verset 14, nous tirons lecture pour nous partager avec vous-même qui suivent nous, qui toujours, chaque matin, réveillés pour capable bénir avec nous. Matin, nous content qu'on est que vous commencez à monter sur la ligne de prière et de temps en temps, l'autre monde a monté encore. Nous dit le Seigneur merci matin pour tous les amis qui déjà avec nous et non pas moins ses serviteurs frère Bigot Luxonnaire pasteur de l'Église de Dieu sanctifié pour les amis qui appellent Montéo nous bye bon Dieu gloire d'une façon spéciale et matin notre texte que nous lisons c'est dans Proverbe chapitre 27 verset 14 mon grand pile monde qui pourra écouter prière du matin encore. Il y a monde qui écoutait li à midi, il y a monde qui écoutait l'avant et dormi le soir au cours de journée. Il écoutait li, c'est bien parce que ça permet qu'on grandit dans la connaissance de la parole de Dieu parce que chaque jour nous venons avec un texte pour nous partager un verset biblique avec vous. Et maintenant, c'est dans Proverbe, chapitre 27, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, que nous lisons pour nous tirer lecture, côté que nous est. La parole de Dieu dit nous, si l'on bénit son prochain en haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, l'important pile pour ta marque texte ça, Proverbe chapitre 27, verset 14. C'est toi ou même qui remet et des mondes, ou même qui toujours voulait ou est monde avancé, faut qu'on respecte le principe que la Bible baille, la parole de Dieu baille. Si vous faites un bagage pour mon Dieu, c'est pour faire selon sa parole, bon Dieu m'a dit. Pas faire rien selon émotion ou pas faire rien selon et logique ou. Mais fait toute bagaille selon la parole de Dieu. C'est ça qui fait que gen bagaille qu'on pral fait puisque pas gon
trop grande connaissance de la parole de Dieu ou obligé de prendre du temps pour consulter les anciens, monde qui versé dans les saintes écritures, pour poser aux questions, voilà, mais ça qu'on va le faire, qui c'est la parole de Dieu dit, juste pour que ou pas pécher contre bon Dieu. Oh, serviteur, a dit, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. M'a serré parole ou dans cœur moi pour ne pas pécher contre toi-même. Parce que les nous pas connaissance parole là, nous péchons contre bon Dieu. Nous péchons contre bon Dieu. Et frères et sœurs, les nous péchons contre bon Dieu dans cœur nous, ça nous pas connaît, dans ignorance nous, frères et sœurs, ça mettait nous en retard. Dans Psaume 119, dans verset 11, la parole de Dieu dit, frères et sœurs, je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Il dit que ma mettez parole là, ma serré parole là, hein, en dedans moi, dans cœur moi, pour ne pas pécher contre toi-même. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. M'a vissé parole là, m'a serré li dans cœur moi pour ne pas pécher contre toi-même. Donc ça qu'on arrivait que par manque de connaissance de la parole de Dieu, nous péchons contre bon Dieu. Lorsque nous pensons nous faire du bien pour le Seigneur, nous avons accompli une grande chose pour le Seigneur et pourtant nous péchons contre lui-même parce que ça nous fait hors de sa parole. Nous avons une provision biblique pour nous accomplir ça que nous accomplissons. Donc ça, les frères et sœurs, venions malheur. Ça nous fait pour nous enlever comme une malédiction parce que nous ne pouvons pas faire selon une directive. Bon Dieu, bon non. Ça veut dire qui ça, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, dans Proverbe, chapitre 27, lorsque la parole de Dieu dit nous, dans verset 14, là, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Ça veut dire qui ça? Frères et sœurs, dans la vie, grand pile fois, moi-même avec vous, nous qu'on trompé, nous. Nous qu'on pensait que, et nous qu'a fait bagaille selon cœur nous depuis une senti bon Dieu mettait ce cœur nous pour nous faire bagaille nous seulement faire non faut que nous consulter la parole de Dieu pour nous connaître parce que pendant que n'a fait le bien c'est pour nous faire le bien selon la parole de Dieu parce que des fois nous on passer son bien nous fait pour un monde et puis frères et sœurs nous fait du mal c'est à l'avenir nous pour voir que c'était pas un bien mais ça nous te fait c'était un mal parce que c'est ça nous fait qui conduit moun nan côté lié journée jodi qui fait moun nan li vinn orgueilleux comme ça qui fait que moun nan li vinn mal élevé comme ça qui fait que moun nan pas respecter moun comme ça tout simplement parce que nous pas de faire selon directive bon Dieu nous pas de faire dans temps bon Dieu mettait pour nous faire li qui ça la Bible dit. Dans Proverbe chapitre 27 verset 14, la parole de Dieu fait nous connaître n'importe monde, nous gon bagaille pour nous faire pour lui, faut ne pas faire le bonheur pour lui, faut ne pas faire le bonheur dans la vie lui. Donc c'est-à-dire nous besoin qu'on ait que faut monde n'a passé une étape. Faut nous observer monde. Faut que nous observer monde avant même que nous bénir monde. Et ça la Bible dit nous là oui. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. Vous comprenez? Donc le fait que ou bénit mon nom de grand matin et la Bible dit que c'est comme une malédiction si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin. Non seulement de grand matin frères et sœurs, c'est-à-dire tôt et gemon ou fin contrat avec lui. Il y a des séries de bagailles ou pas rien doit faire pour lui. Il y a des gens qui font qu'entrer l'église là, il y a des séries de accès faut pas bali. Il y a des séries de privilèges faut pas bali parce que c'est un nouveau monde que lié. Son nouveau monde que lié tout simplement on prend précaution pour que demain si Dieu le veut, ça au faire, il pas venir représenter un danger pour mon nom. D'où la parole de Dieu dit si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin. De grand matin, on veut dire que faut qu'on prenne du temps pour apprendre connaître mon nom. On pas bénir mon nom bonheur. Donc même une bénédiction spirituelle au bayon monde avant qu'on balé li, c'est pour garder marche li avec le Seigneur. C'est pour garder persévérance li avant qu'on bénir spirituellement en bénédiction spirituelle. Donc faut que nous prenne du temps pour nous apprendre connaître mon yo. Et la Bible montre nous comment que serviteur Abraham
qui était seulement et prend neveu li l'eau pour mettre derrière lui et ça ça t'après le coûter lui et frères et sœurs il était bail l'eau privilège de bon matin il était bail l'eau privilège de grand matin il était bail l'eau privilège parce que l'eau en tant que neveu d'Abraham li pas ta supposé dans même position financière économique avec Abraham parce que c'est Abraham qui fait route avec lui. C'est Abraham qui a un appel pour la bénédiction. L'eau n'a pas aucun appel, frères et sœurs, pour recevoir la bénédiction de Dieu. C'est branché, l'eau branchée sous Abraham. Abraham, c'est l'homme béni et l'eau n'a pas appel sous la vie. Voilà que, frères et sœurs, Abraham, dans légèreté, il a quitté l'eau après expansion. La bain l'eau expansion. L'eau a grandi financièrement. Et au point que après que Abraham tellement un monde qui sage et li mande l'eau en séparation li bay l'eau pouvoir pour l'eau choisi et l'eau li choisi meilleur terre terre qui était plus capable bay manger et puis il voyait Abraham nan mod nan ça c'est résultat lorsqu'on bénit son prochain tôt le matin lorsqu'on bénit son prochain de grand matin. Lorsqu'on bénit son prochain de grand matin, ça c'est résultat. Oui, c'est résultat. Oui, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin. Lorsqu'on bénit son prochain tôt, l'on bénit mon droit bonheur, l'on bénit mon privilège droit bonheur, l'on fait des séries de bagailles pour mon bonheur dans la vie. Eh bien, sauf faire pis devant la représente un danger pour vous. Frères et sœurs, il y a des gens qui ont des problèmes, qui ont des difficultés. Oh, tu as aidé les gens pour sortir de la situation. Mais le grand classe, là, pour faire la caille, bon Dieu. Donc, il faut qu'il passe par classe ça, parce que c'est classe ça qui a fait un caractère, qui a fait apprendre à souffrir pour ne pas faire vieux bagaille, hein, pour ne pas tomber dans le mauvais chemin, pour bagaille qui a passé, bagaille éphémère. Aux anges histoire, la Bible dit nous, dans Genèse chapitre 13, comment que, frères et sœurs, Abraham était obligé de séparer avec neveu Lilo, pendant que c'est lui-même, frères et sœurs, tout privilège, yo, t'es accordé à lui-même toute possession, tout bien ça, yo. Donc, en principe, c'est pour Abraham. Donc, si Lilo possède un bagage, c'est à partir de Abraham. Donc, Abraham, malheureusement, pas de gain, en principe, pour te faire l'eau grandir étape par étape. Donc, il quitte l'eau émerger rapidement. Et c'est ça qui fait que l'eau perdu toute bagaille, l'eau réduit à rien. L'eau vient orgueilleux. L'eau vient orgueilleux. Il y a une discussion, l'eau fâchée en pile. Et après ça, dans Genèse chapitre 13, là, à partir du verset 8, la parole de Dieu nous dit, Abraham dit à l'eau, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Quelle sagesse pour Abraham qu'on a ti neveu li, hein, pour la parler comme ça avec lui. Ti neveu, oui, li mettait d'elle, l'Éternel relé li, l'Éternel fait appel avec lui pour la bénir. Donc li wè l'eau comme une famille qui pas prendre rien et puis il décide de prendre l'eau. Li décide de prendre l'eau, mettait bon côté li. Pour faire l'eau vivre, pour faire l'eau manger. Ah ben, je dis à la, frères et sœurs, c'est l'eau ça, oui, qu'on prend face li. Qu'on fait discussion toute la sainte journée avec les frères et sœurs. Ou pas prendre moun qu'on s'a mette la caille ou non. Gen moun wèk non problème. Souka, idil nan façon qu'on capable ou aide li. Parce que pas gen moun sur la terre qui là pour retirer moun nan problème. Non, frères et sœurs. C'est bon Dieu qui retire moun nan problème. Bon, ou même l'autre nan problème, non. Ou moun pas de venir le retirer nan problème. On moun vini bon Dieu servi avec li, li aide ou. Mais c'est bon Dieu qui retire ou nan problème. C'est bon Dieu qui retire ou. L'homme pas ka fait pour l'homme pareil li. L'homme ka aide l'homme pareil li pour un élan, pour un coup de défense, frères et sœurs. Mais c'est bon Dieu qui retire moun nan poussière. La Bible dit, de la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, amis auditeurs de la prière du matin, l'eau pas de gagner aucun droit d'héritage parce que appel là pas pour l'eau, il pas pour l'eau.
Donc faut que nous prenions en pile précaution nous-mêmes qu'app mettez monde la caillou nous-mêmes qu'app mettez monde dans sein nous-mêmes qu'app raler monde sous nous puis devant pour que nous pas non pédé pas en pile et grand pile monde si yo te connaît des monde yo pas d'app mettez la caillou tellement yo n'en parler en pile tellement yo prend déception. Ah oui, gen moun yo pa mete nan sein yo tellement yo honte. C'est parce que nous pas de connaître la parole de Dieu, nous pas de connaître qui ça la Bible dit. Nous même que nous t'es touché, nous ouais mon nan problème et puis nous râler mon nan mete ba côté nous pour nous aider mon nan pour le sortir. Nous prend mon nan cherche un travail pour lui, nous mettez le travail, n'a pas aidé lui, n'a pas supporté pour nous résultat vivre. Ah ben demain c'est monde ça qui vienne pigo ennemi on. Et monde ça qui vienne pigo ennemi on. Donc avant de faire quoi que ce soit, c'est pour la prière qui est bon Dieu orienté et aussi c'est pour faire mon grandir étape par étape. Étape par étape, premier jour, la campé dans la cour, elle parler avec vous. Deuxième jour, il entre dans la galerie. Troisième jour, dépendamment de comportement, les gens elle respecter et bien principe discipline, ou quand inviter mettre dans le salon. OK, nous chita comme deux bons amis qu'onia n'a parlé nous dans salon mais le poko gen droit à chambre pour gen accès à chambre. C'est comme ça pour vivre, pour pas prendre déception dans vie ça, toujours limiter moun dans la vie, panique prend moun dans foué dans corps ça jour. Panique prend moun dans foué dans corps ça jour. Et moun ou est toujours prend moun foué dans corps ça jour, frères et sœurs, moun ça toujours victime. Monde qui toujours li fait rencontrer mon nan frères et sœurs et puis lagué toute la ville by mon nan li pas prendre précaution li ouvrir tout cœur non faut qu'on réserve parce que ou fait connait mon nan fait rencontrer avec mon nan ou pas qu'on prend mon nan fouer dans sein comme ça. Donc malheureusement frères et sœurs amis auditeurs de la prière du matin propre famille nous qu'on a fait du bien propre monde qui n'ont sorti dans même vente avec nous des fois qui sorti dans même race même famille avec nous et bien ces monde ça yo journée jodi a fait nous gros ennemi c'est yo qui parler nous mal c'est yo qui chercher touyer nous détruire nous après bien nous fin faire yo. Donc Abraham était victime de ça aussi dans Genèse chapitre 13 la Bible dit nous Abraham était prend propre neveu à même neveu a sorti pour caler lui mais neveu a sorti hein pour ramasser toute ça le gain vas-y sur l'ambition et mon on fonctionner avec les gamins nous mettait la caillou les gain l'ambition parce que sort pas connaît les gain l'ambition les gain jalousie les mon l'a fonctionner avec les jaloux c'est lui qui pour ta dans position ça a pas semblé c'est lui qui pour ta dans position et voilà au même cœur ouvre pour aider mon nan et pourtant mon gain ambition dans cœur lui les gain jalousie dans cœur lui compte au même ou pas jamais connaît pas jamais connaît. C'est là oui frères et sœurs, Abraham pral découvrir toute ambition l'autre gen dans cœur li. C'est dans discussion ça oui, dans séparation ça oui. Hein, c'est dans séparation ça oui. Gen mon wa vivre avec li. Ouais mon nan mou tro que le remon li apprécio. C'est là un petit problème avec li pour ouais. Mon sa pas apprécio vrai réaction le baou. Hein? C'est là un petit compte avec li, les un petit problème en mise en tente pour ouais comment le réagir. Ou pour que mon ça pas jamais remen mais c'est un semblant il t'a fait semblant que le remen il t'a fait semblant que là avec au menti c'est les problèmes n'en vini et pour après comment le courir il pas camper avec ou et pour après ah certainement parce que c'est un problème dans difficulté ou pour vrai nature mon non ou pour vrai nature lui est-ce que vous comprenez donc que l'eau manifeste grandement là hein ambition l'eau manifeste grandement. Abraham dit alors qu'il n'y a point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Ce n'est pas normal pour une discussion, c'est famille nouillée, c'est frère nouillé, hein? C'est neveu mouillé, c'est un neveu mouillé, pas une droit à une discussion. Eh bien, on parle d'ambition, l'eau est dans le cœur. Ambition logue dans cœur li garder plein dans garder de bel pays a parce que Abraham ba le privilège Abraham dit le comme ça et bien l'eau mais un pays a devant choisi côté vle a pays pas pour l'eau l'eau pas trop recevoir appel l'eau l'Éternel pas parler avec lui ça fait frères et sœurs pas courir pour un monde mettre dans sein comme ça pas courir pour un monde mettre la caillou comme ça pas courir pour un monde pour faire du bien à lui-même parce que demain si Dieu le veut l'ennemi capable de servir avec lui pour mettre en parler en pile dans problème donc
bon Dieu bonne direction pour qu'on ait sorte de fait. Mais nous tellement aimer gloire nous nous-mêmes l'homme les mon a parlé de nous les mon a dit son bon monde nouyé capil dans nous dans famille nous c'est ça qui fait que économiquement pas jamais qu'a fait progrès parce que nous aimer les familles nous parler bien de nous les familles nous a dit nous ah mon cher c'est monde ça qui dans famille c'est monde ça écoutez frères et sœurs mes auditeurs de la prière du matin leur aimer la gloire ou vinn orgueilleux et ou perdu ou échoué leur aimer les mon a parlé bien de vous. Le monde a fait louange pour que son bon monde. Eh bien, c'est là, frères et sœurs, toute flatterie, ça y est, y a mangé tout ça au gagnant. Y a mangé tout ça au gagnant. Fais très attention. Fais très attention. Pense à tête, pense à petit, tout. Pense à demain. On. Oui, pensez l'eau pas notre travail là encore. Pensez l'eau pas capable encore. Ça aura fait. Pensez à bagage, ça y donc, Abraham. Bailo pour le choisir. La Bible dit nous dans verset 9, la Genèse, chapitre 13. Tout le pays, verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Abraham sent-il pas capable encore? Abraham sentit que l'a fait tension. Abraham sentit que le gars font crise, tension, le font stroke. Avec dossier, l'eau, ça a pédé, fait discussion toute la sainte journée avec lui. Mes sœurs, les mêmes avec observer bon Dieu, nous devons chercher la paix. La paix, gen moun sou pas séparé avec lui, ou pas vivre en paix. Ou pas jamais gen la paix, frères et sœurs. Mais des fois, nous peur. Oh, nous peur parce que nous n'avons pas de bagaille, nous sentimentalistes. Vous comprenez? Non! Gen moun, frères et sœurs, toujours nous parlons en pile avec lui. Ou pas parler grand moun plusieurs fois. Grand moun son seul fois, vous parlez ça. Faut ferme dans décision yo, faut ferme dans sentiment on. Toute la sainte journée sont pas en pile, toute la sainte journée sont jouées, toute la non, faut qu'on séparation qui faite. Faut qu'on séparation qui faite. Et c'est ça Abraham, frères et sœurs, li pa vle pe de pa en pile la discussion yo joué yo et puis il dit non, attendez l'eau. Attendez. Et soit aller à gauche, moi aller à droite parce que moi m'avoc nous pas ka vivre ensemble. Même avec on pas qu'à fonctionner ensemble. Toujours qu'on parle en pile. C'est deux mondes qui mettent tête ensemble qui fait même chemin. Et voilà que toujours qu'on parle en pile, toujours qu'on discussion. Donc c'est fini. Nous pas capable de continuer comme ça là. C'est fini. Soit à la gauche, soit à la droite. Soit à la droite, soit à la gauche. Tout simplement nous séparer sans que nous pas ennemis. Nous pas ennemis non, mais nous séparer. Nous séparer parce que moi-même voulais la paix. Moi-même voulais la paix. Donc c'est comme ça, c'est Victor Abraham, il était voulait vivre frères et sœurs en paix. Et puis il dit, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'eau leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Frères et sœurs, l'ambition. Où est-ce que tu regardes? Il va regarder mon yo. Il garde pleine qui entièrement arrosé. Il pas le passer misère là. Pas gain de l'eau pour aller chercher là, pleine n'a pas manger rapide. Ambition frères et sœurs, gain monde qui bon côté, il gain ambition, ambition l'en caché. C'est les gain problème ou après son monde qui était ambitieux. Ou après comment c'était un monde qui était gain pile ambition, qui était jaloux de position, qui était jaloux de son posséder. C'est un problème moi pour ça. C'est un parlant pile dans discussion. Des fois, frères et sœurs, qu'on y a un processus qui m'a dit deux mondes séparés. C'est pendant séparation, oui. Et pour après ça, mon exigé. Ou après que monde ça, c'est un mauvais monde que le t'y est. L'on a regardé, il exige ça. Il dit bon ça. Ou est que mon n'a pas de jambon vrai. C'était une mauvaise personne. Et pourtant ouais monde qui honnête là, monde qui bon monde non, même si qu'un problème, même si discussion, il toujours comporter l'en bon monde. Il toujours comporter comme un homme de paix, comme une femme de paix. Toujours comporter comme tel. Mais malheureusement, gen monde non, le fait qu'on sépare avec lui, on tout fort ennemi. D'oublier millions bien ont été fait pour lui. Millions bien ont été fait pour lui, oublier yo. Il fort ennemi, il marco ennemi. Il fort ennemi, tout est qu'à mourir même, il est content. Il t'a content et comme si c'est mal à sauter fait lui. C'est mal ou t'es fait le frère et sœur.
Eh bien, tout ça, frères et sœurs, c'est conséquence lorsqu'on bénit son prochain de grand matin. Il faut qu'on prenne du temps avant même que, frères et sœurs, ou mettez yon moun en position pour faire moun nan jouy des privilèges. Faut qu'on prenne petit temps pour que ou capable apprendre connait moun nan et aussi laisser moun nan faire expérience, laisser le faire expérience pour l'apprendre connait la valeur des choses. Parce que gen moun nou fait cadeau on bagay frères et sœurs pas comprendre importance li, li pa bal valeur parce que li pa te souffrir pour li, li pa te souffrir pour li, la gaspille li. Mais ou même ou bay valeur à ça parce que ou t'es souffri, ou passé des nuits sans sommeil pour travail, ou prend humiliation pour posséder, l'on fait le cadeau lui-même, il pas de passer nuit pour lui. Non, il pas de passer nuit pour lui, il pas de souffrir pour lui, il pas bal aucune valeur. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, l'or au monde faut cadeau bagay, pour ça ridi pour le posséder, pour ça gon histoire avec salba ou bal valeur, bal importance. Comprendre ça mon nan faut cadeau. Et nous-mêmes, frères et sœurs, l'homme, nous toujours mettons en tête, nous, depuis un monde ban nous, c'est parce que moun nan gen trop. Et pourtant, pile moun ki ba ou, li ba ou pas amour. Pas parce que li gen, mais parce que li remè on. Parce que li gon bon cœur, parce que li généreux. Mais nous-mêmes, l'homme, nous toujours pensons que moun nan ban nous parce que li gen. Parce que moun nan gen. Non, c'est pas amour moun nan ba ou. Li ba ou parce que li gen plus, parce que li gon paquet. Mais li ba ou par amour, parce que li remè on. Par amour, li faut cadeau ça. Il faut cadeau ça bay valeur à ça au monde faut cadeau bay valeur à ça au monde aider pour réaliser position qu'il a monde contribuer dans ça bay valeur à ça et nous mêmes qu'a fait pour monde nous besoin respecter principe que la Bible établit dans Proverbe chapitre 27 là dans verset 14 là la parole de Dieu dit pour nous pas bénir prochain nous le grand matin. Et si nous faisons ça, c'est comme une malédiction. C'est comme une malédiction. C'est-à-dire, ça nous fait pour lui, pral, en occasion de chute pour lui. Il prend l'occasion de chute pour lui. Il prend l'occasion de chute pour lui. Donc, faites très attention pour que, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, pendant que nous faisons du bien pour les autres, pour ne pas condamner la vie, pour ne pas enterrer la vie. Parce que, il y a des séries de bagailles avant faire pour le monde, quitter le monde dans la vie d'expérience, quitter le monde dans le chemin, quitter le monde apprendre à connaître, apprendre ma importance, frères et sœurs. Lorsque vous avez un côté pour dormir, le fait que vous mettez la caille, ou pas le côté pour le rêter, les pas comprendre, ça veut dire, enfermez mon caille pour habiter, enfermez mon appartement, payez mon appartement chaque mois. Bon, c'est où payer bill pour lui, frères et sœurs. Ou couvrir toute bille pour lui. Li pou konn bagay sa yo. Faut qu'on laisser pour faire expérience, pour le travail, pour payer bill li. Ou comprendre, laisser faire expérience pour chercher un caille pour rester. Si c'est pas ça, ça va pon le pral dormir. Si c'est pas ça, c'est la machine ni pral dormir. Oui, faut le faire expérience sa yo. Et puis, ou après que frères et sœurs, les jeunes côté pour dormir, la Bible bon Dieu gloire, la comprendre importance li. Yon bil nan nou, frères et sœurs, nou kon bay tèt nou problème parce que nou wè que c'est non ti piès ka yon ap dormi. C'est non chanm ka yon ap dormi. Mais frères et sœurs, nou dwe di bon Dieu merci, oui, parce que gen moun san ba pon yon ap dormi, oui, c'est nan la rue ap dormi, oui, san ba tant yo ye, oui. C'est nan machine yo, oui, yo dormi. Mais ou même bon Dieu fò grâce, li pa gros, c'est vrai. Mais frères et sœurs, lè la pluie ap tombe ou pa mouye, lè neige ap tombe, le froid li pa frape ou. Bon Dieu fort grâce, oui, il fort grâce. Alors, capable comprendre frères et sœurs, même avec vous, nous avons pas quatre raisons pour nous dire bon Dieu merci. Et non seulement frères et sœurs pour nous remercier le Seigneur, mais aussi pour nous respecter la parole de Dieu parce que là nous garder expérience que nous fait nous-mêmes personnellement. Il y a monde des fois qui qu'on fait erreur ça, qui qu'on dit que bon, eux-mêmes misère au passé, petit, tu pas droit passer misère. Bon, c'est pas mauvais pour petit ou pas passer misère. Ou travail pour ça, c'est normal. Mais faut faire très attention tout pour pas gâter petit tout. Ah oui, pour pas gâter petit tout. Parce que quand pas cette expérience ou fait dans la vie, c'est ça qui fait que au monde qu'on y est aujourd'hui. Qui fait que ou c'est rude travailleur qu'on y est aujourd'hui. Qui fait que ou possédez ça ou possédez aujourd'hui là. Ah oui, expérience bon Dieu te quitte au fait pour apprendre by tête ou manger. Pour apprendre à souffrir, pour capable comprendre la valeur des choses, faut d'accord quitter petit ou vivre expérience ça yo tout. Ah oui,
peut-être c'est pas dans même niveau là, hein? Parce que il y a monde qui qu'on dit que moi-même je sorti très loin, famille moi était dans la pauvreté, dans la misère, et que bon Dieu lui fait grâce, il mettait mon niveau. Mais faut songer que petit tout lui-même il pas fait de la misère, et que bon bien-être, bon confort que lui joigne, et qu'on s'attou frères et sœurs, il est facilement perdu. Donc c'est eux même qui pour faire éducation lui à faire frères et sœurs pour mettre bagaille pour gaspiller ti mon a gaspiller bagaille. Fait très attention parce que l'a fait ville comme ça comme monde qui a gaspiller, l'a marié, l'a foyer, l'a gaspiller, l'a gaspiller. L'a acheté sale pas besoin. Là aller dans maquette avec ti mon ou bien l'autre côté, c'est pour apprendre ni choisir sale besoin. Et sale choisir faut que son bagaille qui important, on bagaille que le besoin. Pour le bajan m'acheter ça, le pas besoin. Gennan nous, parents nous tellement gâtés nous, jusqu'à prise habitude la rite nan nous. Si nous veut plaquer nous là, on a pris un paquet de souliers, frères et sœurs. Nous bajan m'y temps pour nous mettre yo, mais nous te acheté yo, parce que nous te voyons belle. Mais nous bajan m'y temps pour nous mettre yo. Et gennan nous, son seul fois nous te mettez ça, nous va mettre yo encore. Donc ça prouve que c'est pas ton bagay qui te nécessaire pour nous. Il pas nécessaire, pas important, frères et sœurs. Donc nous gaspiller l'argent. N'acheter bagay que nous pas même besoin, bagay que nous pas nan nécessité pour lui. N'acheter yo des fois frères et sœurs, nous mettez yo 3 fois 4 fois, hein, nous veut pendre nous gain rad son fois de mettre ça, après ça nous pas mettre encore. Donc faut apprendre contrôler tête ou, parce que privilège ou gain jodi ou pas gain pour toute la vie ou force ou gain jodi là pour faire des goudin ou pas gain pendant toute reste vie ou. Bon les cas privé c'est maladie peut-être ou pral gérer dans l'âge grand mon nom. Si l'agent ou traite la pap ka fan yen pou ou, ou besoin depuis jodi a commencer préparer fait économie ou konnen comment pour gérer vie ou mete principe discipline nan vie ou. Donc malheureusement parents nou et li te leve nou nou te gâté, donc frères et sœurs et nou vinn faire grand monde gâté, même si nou marié nou faire foyer nou nou gâté, nou pas reçu et nou pas apprendre clean, nou pas apprendre rien parce que nou te leve la caille nou comme une princesse. Même vaisselle, nous pas qu'à faire ça parce que nous pas te lever dans ça. Nous te gain et servante la caille nous qui travaille, qui fait toute bagaille pour nous. Nous pas comment yo couvre cabane. Nous pas comment yo clean yon chambre, comment yo nettoyer cuisine. Comprendre, nous pas comment bagaille ça yo, nous pas lever là-dedans yo, nous pas lever là-dedans yo toute la sainte journée, c'est croiser pied nous. J'étais dans salon ou bien dans téléphone nous, n'a regarder c'est comme ça parents nous te lever nous. Et bien nous vinn font mauvais madame à la maison, dans le foyer. Nous venons faire mauvais madame et frères et sœurs, nous continuons à aller comme ça, nous pas une mère de famille. Nous pas une mère de famille mais nous sommes mannequins de famille. Nous sommes mannequins de famille. Nous sommes mannequins de famille, même petite nous ne pas prendre soin. Même petite nous ne pas connaître comment pour nous prendre soin cheveux, pour nous prendre soin timon non. Nous sommes mannequins de famille, nous pas connaître comment pour nous changer petite nous. D'ailleurs, gagnons nous depuis une fait petite là, c'est grand-mère nous bien pas connaître, c'est maman nous remet timon, donc nous pas connaître rien parce que nous sommes mannequins de la famille, nous pas une mère de famille non, nous sommes mannequins de la famille. Sont mannequins que nous y est. Et gagnons nous pas même le travail, nous pas le travail. Donc nous petit job tout petit. Vous comprenez? Parce que nous estimons que pour beauté nous, pour gens belles, nous pourrons le redire, nous pourrons le forcer. Parce que depuis la caille nous, c'est comme ça nous lever, nous, papa nous gâter nous, maman nous gâter nous. Donc nous, c'est tout le temps nous pas jouons un job de bureau. Nous, papa, ça pas intéressé nous parce que nous sommes complexes. Frères et sœurs, nous parents qui détruisent petit lit dans le mode d'éducation que le bali. Pour lever petit tout la caillou, c'est pour apprendre toute vie difficile, frères et sœurs. C'est pour apprendre clean, c'est pour apprendre au travail domestique, yo. Parce que demain, on va pas côté la privé. Demain, s'il voyage là dans l'autre pays. Demain, s'il voyage là aller loin, on pas là pour passer toile mouillée pour lui. On pas là pour clean chambre ni pour lui. Et faut que nous relé après timonio les noyé a fait négligence frères et sœurs lorsque y a pile radio dans chambre pile sous pile lorsque noyé frères et sœurs même sous vêtements yo pas voulu laver et que c'est monde qui pour laver c'est monde qui pour faire lessive pour yo sous vêtements yo bagay vie privée yo vie intime yo yo pas connait pour yo prendre soin pour yo ranger chambre yo ranger placard yo frères et sœurs faut relé derrière yo. Parce que demain, vous pourrez le faire mauvais madame. Demain, vous pourrez le faire mauvais mari. Mauvais mari. Vous pourrez le faire mauvais mari. On nous fait très attention.
à nous faire très attention, frères et sœurs, dans l'éducation, dans la petite, non, pour que demain, si Dieu le veut, nous pas gâter. Li. Donc, il était bon pour nous faire râler sur point ça. Demain, si Dieu le veut, nous pourrons continuer toujours avec le même sujet, hein, parce que nous pas gâter fini, ni, pour nous comprendre que dans le proverbe, chapitre 27, verset 14, la parole de Dieu dit, si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, c'est comme une malédiction, ça y est. Donc demain, si Dieu le veut, nous continuer toujours parce que nous voyons que pendant que nous faisons bien à un monde, il faut que nous fassions très attention pour que, frères et sœurs, ça nous fait pas une malédiction pour mon nom et pour nous demain, si Dieu le veut aussi. Ça fait que la Bible m'en dit non pour que nous ne pas faire ça bonheur, mais il faut que nous l'accordions pour que mon nom capable grandir en maturité. Petit tout également, il y a des séries de bagailles, pas qu'on y fait pour lui, mais qui te le fait expérience. Parce que demain, si Dieu le veut, au pape là encore pour travailler pour payer bill pour lui. Au pape là encore, pape capable, ou pape vieilli. Si le Seigneur pas gagné en relais, et l'homme mourit même. Ou pas là même du tout. Faut apprendre ni bouillon remède, faut apprendre ni connaître que si petite li malade, mais ça pour le faire, mes premières interventions pour le faire, faut apprendre ni tout bagaille ça yo. Faut apprendre ni tout bagaille ça yo. Et nous fait très attention, frères et sœurs, amis auditeurs de la prière du matin, parce que nous vivons dans un monde, côté que temps yo commence difficile, faut que nous apprenne timonio, frères et sœurs, que la vie pas facile. La vie pas facile. Donc demain, si Dieu le veut, nous parlons de ça. Comment que la Bible m'a dit non pour nous faire du bien. Et à monde qui bon côté nous. Et principe nous devons respecter. Parce que dans Proverbe 27, verset 14, il dit, si l'on bénit son prochain à haute voix et du grand matin, ça nous capable de considérer comme une malédiction. Proverbe chapitre 27, verset 14. Nous allons prier le Seigneur demain, si Dieu le veut. Nous allons continuer avec même étude là toujours. C'est vraiment important pour nous, ouais, frères et sœurs, précautions, nous devons prendre. Donc, je dis à la nous, ouais, comment que Abraham était obligé de séparer avec neveu Lilo, parce que l'autre est gampi l'ambition, frères et sœurs. Que le monde n'a pas fonctionné avec eux. Ils ont rempli avec ambition, ils ont rempli avec folie, ils ont voulu posséder, frères et sœurs, sans que pas d'accord franchi étape. Que le monde n'a pas famille, on a saint. Faut prendre précaution parce que cœur rempli avec ambition. Vous voulez arriver rapide, vite. Hein? Vous voulez arriver rapide, vite, frères et sœurs. Et tout moyen à utiliser. Donc, prends pile précaution. Donc, demain, si Dieu le veut, on va continuer avec même.